je vais vous faire un petit dessin, du coup, des personnages de la série Jeux de gamins chez Bambou Édition. Donc c'est, c'est le premier album de la série. Il y en a 4 de sortie et je viens de terminer le tome 5. Donc le tome 1, c'était sur la thématique, du coup, des pirates. Le tome 2, c'était les cow-boys et les indiens. Le tome 3, c'était les chevaliers. Et le tome 4, c'était les cosmonautes. Et là, donc, j'ai terminé le tome 5 sur la thématique des super-héros. Je crois qu'il doit sortir au mois de janvier. J'ai pas trop d'informations. Peut-être sera décalé à mars, on ne sait jamais en ce moment. Hop. Et donc là, hop là. La petite souche d'arbre, un peu d'herbe. Alors c'est vrai qu'on fait de la BD, on utilise par exemple du papier, donc on a l'impression qu'on n'est pas très écolo. Mais là, moi, je vais un peu reforester tout ça, donc je mets pas mal de végétaux, hein, vous voyez. J'essaye de sauver ma planète. Hop. Hop, et en plus, on peut faire aussi des petits champignons. Alors, pirates, là, ils sont sur une île, hein, ils auraient pu être sur la plage, mais non. Tac, tac, tac. Juste. Le petit trait d'horizon. Un bout d'île en fond. Là aussi, en ombre. Hop. On en voit la mer. Et on va voir notre petit personnage. Alors ce personnage, c'est un des 3 petits garçons dans la bande dessinée. Et ce petit garçon, il s'appelle Léon. C'est un pirate. Il a le cache-œil du pirate. Son bandana, tête de mort. Bah ouais, c'est un pirate. Les pirates sont là pour faire un petit peu peur. Mais là, c'est 3 petits garçons qui font que des bêtises. Hop là, et un pirate sans épée, c'est pas trop un pirate. Donc là, il a une épée en bois. Ouais, c'est un pirate, c'est un peu un enfant. Hop là. Et là, il saute. Et on peut rajouter, hop, une petite lune par exemple. Et puis, des nuages. Et donc, voilà. Gamin. Et voilà, un bout de dessin.